de la grâce, de l'agilité et de la souplesse, des qualités que possèdent les membres du pôle Espoir de gymnastique rythmique d'Evry. Ces gymnastes de haut niveau s'entraînent une vingtaine d'heures par semaine dans l'espoir d'atteindre un jour la plus haute marche des podiums internationaux. Alors la gymnastique rythmique, c'est une discipline artistique. C'est un mélange de mouvements de corps associés à des manipulations d'engins. Donc c'est de la gymnastique, de la danse, en musique. Ça se pratique en individuel ou en ensemble. J'ai commencé la GR à 3 ans, en Grèce, à Athènes. Et j'ai intégré le haut niveau cette année. Le lundi, mercredi, vendredi, on va le matin à l'école et l'après-midi à la GR. Et jeudi et mardi, on va le matin à la GR et l'après-midi à l'école. Bien espacé sur le praticable, le travail n'a en fait jamais vraiment cessé. En effet, si elles ont pu aujourd'hui retrouver le chemin du gymnase, ces demoiselles ont dû se contenter de leur maison durant le premier confinement. Au début, on a commencé par travailler seul, pensant que ça allait durer que 2 semaines. Puis au fur et à mesure qu'ils ont rajouté des semaines, etc., on a mis en place des visios, des horaires pour avoir soit danse, soit préparation physique, ou alors GR, et on changeait de visio en fonction des profs. Mais une fois la joie de retrouver ses coéquipières passées, nos athlètes ont dû s'adapter aux nouvelles règles sanitaires mises en place, parfois contraignantes. Bah déjà, on est tous à porter les masques. Voilà, donc on va rentrer à la salle, on a lavé les mains avec les gels spéciaux. Après, les filles, ils ont eu des tapis pour chaque fille, sa tapis, qu'ils ont nettoyé après chaque entraînement et on vend chaque entraînement. Donc c'est assez compliqué. Après une saison 2020 interrompue prématurément, la saison 2021 reprend progressivement, notamment avec l'arrivée imminente d'une compétition importante. Quand j'ai une compète, je sais déjà que mon objectif il va être proche, mais quand j'en ai pas, j'arrive quand même à rester motivée parce que je sais qu'à un moment, il y en aura une qui arrivera. Il leur faudra encore du travail avant d'espérer fouler un jour le sol olympique, en espérant d'ici là que le public puisse à nouveau être au rendez-vous.